Bună ziua, eu vă împăsă voi. Je vais manquer mon chemin de fer. Merci, Pompier. Eh bien, nous y voilà. Ah, non, Pristine, la plus dure de son père. Je savais que ce vieux maniaque allait me jouer un tour. Monsieur Michel, oui. En personne. Bonjour, mon gendre. Bonjour, mon père. Eh bien, c'est moi et ma fille. Oh, mademoiselle. Je voulais déposer mes papiers. Nous arrivons de Reims. Ah, mais ça tombe bien, je suis parfait. Allez, ah, on y va. Non, du tout, puisque nous voilà. Je vous ai bien posé mes papiers. On dirait que vous êtes fâché. Fâché? Oh Dieu, non. Mais c'est-à-dire que nous étions convenus que... Ah oui, effectivement. Ma fille, quand elle achète la confiture... Allez, comme. Non, vous, merci, s'il vous plaît. Ah, vous savez bien que je suis malade. Ah oui, bon, tant mieux, oui. Comment je vais bien? Vous savez que... Non. Quand je mange, et même quand je ne mange pas, eh bien, je sens là, et même là. Bah. Mais dites-moi quoi? Je n'en sais absolument rien. Ah bon? Mais ma fille non plus, hein? Et ni mon décès non plus. Ah oui, mais ni moi non plus. J'aimerais bien poser mes papiers. Mais ça c'est facile, gardez vos paquets à la main. Je vous accompagne à l'hôtel des Trois Pintades. Oh, des Trois Pintades? Ah oui. Ah non, du tout. Ah bon? Oh, mais non, nous logerons chez vous. Ah bon? À propos, mon gendre. Oui. Ben, j'ai à vous gronder. Ah bon? Nous avons pris nos renseignements. Et pourquoi nous avoir caché que vous aviez une fille de votre premier hyménée? Un détail, un simple oubli. Elle est sevrée. C'est-à-dire qu'on est en train. Pourquoi? Et moi, nous adorons les enfants. Elle est sevrée, oui. Elle est sevrée. Parce que, oh là là, je vais vous donner un petit bonnet. Il m'a compris. Non, ça c'est gentil. Et moi, de mon côté... Ah, vous lui avez vendu quelque chose aussi? Non, je lui ai apporté un petit pain d'épices. De Reims. Oh, comme c'était marre à vous. Du pain d'épices pour cette grande chamate. Nous jouerons ensemble, ça sera ma poupée. Bon, je voudrais pourtant bien compter mes papiers. Oh, mademoiselle, permettez-moi de vous conduire à votre appartement. Je vais être grand, papa. Mais tout de suite. Oh, mais j'adore les enfants. Oh, mais... oh, je la ferai sauter sur mes genoux. Oh, mais oh, jusqu'à 6 ans, les enfants. Ah oui, parce qu'après, ben, ils sont insupportables. Doucement, donc, Boniche. Ah! Prenez des poils. J'attends monsieur Prébuchard. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir, je vais l'appeler. Et Ragufine, portez ses plats dans la chambre. Mais elle est de la maison. Oh, mais c'est la mère Prébuchard sans doute. Oh, mais l'autre, c'est la nourrice. Oui, vous m'appelez? Ah, j'ai apporté 3 pots de réséda. Alors, tant mieux, parce que le réséda, c'est pas normal. Elle est très bien, madame, votre mère. Ma mère. Oh, j'ai deviné tout de suite. Hein. Oh, j'ai été guidé par le nez. Ah oui, oui, le nez. Voilà encore. J'ai apporté des joujoux pour la petite. Oui, ben elle a encore des trop beaux vestiges. Allez, à plus tard, hein. Je vais poser mes papiers. À plus tard. Oh, capitaine, vous cessez de jeter vos pipes sur mon mal.